Bonjour à tous et bienvenue ici à Namur pour le BOPC, le Belgium Open Poker Championship. Mon nom est Gaëlle Garcia-Diaz et en tant que votre reporter, je suis heureuse de pouvoir vous guider par tous les faits et gestes de cet événement, tous les updates et bien entendu les gossips de cet event. Cet événement se déroulera du 9 au 17 octobre ici au Casino Namur, auquel nous attendons un peu moins de 1000 joueurs. Oui, vous avez bien entendu, 1000 joueurs ici à Namur. Les joueurs viennent ici pour divers événements. Nous avons bien entendu le main event à 1500 €, le freeze out, tant attendu. À côté de ça, on aura également le heads up team à 5000 €. Et alors, pour toutes les dames entre nous, il y a le ladies only qui se déroulera fin de semaine. On revient tout juste de l'EPT à Londres, auquel 700 joueurs ont contribué à un prize pool de 4 millions de pounds. C'était complètement déjanté. D'ailleurs, l'EPT à Londres a été gagné par David Fumplou, un jeune pro écossais qui a d'ailleurs également gagné le UKIPT Champion of Champions. Et quelques informations importantes au sujet de cet événement. Nous aurons beaucoup de Team Poker Stars Pro qui passeront ici au Casino Namur jouer les cartes. On aura Marcel Lusk, Mathias et Christophe de Mulder. On aura Pierre Neuville qui est également de la partie. On aura aussi Peter de Koever. Et alors, last but not least, la plus sexy et la plus jolie femme des tables de poker, Liv Bury. C'est la 6e fois que cet event a lieu en Belgique. Le BOPC est un événement exceptionnel pour tous les joueurs régionaux. Mais cette semaine, nous attendons un mix assez important des meilleurs joueurs d'Europe. Les joueurs ont payé 1500 € pour un chip amount de 10 000 €. 300 000 €, c'est le premier prix estimé ici au Casino de Namur. À 14h, les jeux ont commencé ici hors local. Suivez-nous sur PokerStars TV pour toutes les mises à jour suivantes.